Bien, salut tout le monde et bienvenue chez Gian Nevada pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19. Pour la suite de la compétition de la Ligue 1 au Forama, bien sûr, stade de Vélodrome, cette fois que nous allons jouer contre l'Olympique. C'est la fin de la saison, enfin, parce que nous arrivons quand même au mois de septembre. On rappelle que le début pas comment. Mais bon, que le jeu soit 20. J'ai encore un peu de temps pour faire la suite de cette aventure. Enfin, de compétition de Ligue 1. Ensuite, nous. Alors, sur ça, j'ai vachement, mais vachement de temps. Je pense faire des vidéos 1h30. Pour vous faire l'histoire de ce FIFA 19 avec Alex Hunter et sa sœur plus son meilleur ami parce que par jour comme tout c'est déjà avec les trois personnages. Donc allons-y, c'est parti pour jouer ce match OM contre l'Olympique. Ah putain, j'ai gagné. Bon allez, c'est parti. Allez, on va. Après, par la suite. Alors, petite parenthèse avant le début de ce match. Désolé pour la vidéo sur GTA 4, la vidéo précédente qui était sur GTA 4. On ne m'entend pas beaucoup. En fait, j'ai mal réglé le micro. Je l'ai mis en 7.1 au lieu d'être en normal. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous m'entendez bien dans toutes les vidéos. Sinon, bah, tant mieux. Tant mieux pour vous si vous entendez correctement. Allons-y, c'est parti. C'est vraiment le choc dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Alors là, bon, bah, je vais faire le son. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ici Hervé Matou depuis l'Orange Vélodrome. Salut Hervé, salut à tous. Le choc des Olympiques aujourd'hui, Pierre, Marseille face à Lyon. Ouais, c'est une belle affiche en général. Ce sont des matchs spectaculaires et parfois même mémorables. On se souvient d'un 5-5 il y a quelques saisons. Ouais, avec 5 buts dans le dernier quart d'heure, un truc de fou. La défense lyonnaise particulièrement efficace. Hein. Le total de buts encaissés le plus faible de la Ligue 1. C'est vrai que cette équipe est très solide en défense et cela leur permet de bien contre-attaquer quand les joueurs en ont la possibilité. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. J'ai oublié de alors, rajouter. tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est comme à la fois d'avoir d'habitude. la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Et nous allons gagner. Allez, l'OM. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. C'est bien de dire ça dans la vidéo Bernard Minet, pas Bernard Minet, mais ah, c'est parti Pierre avec le Ménès. coup d'envoi donné par l'OM. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Lucas Touzard. Alors je risque de ne pas beaucoup parler dans cette vidéo car
Ça a été dévié. J'ai mal. Touche. Un peu à la gorge. En fait, hier soir, j'ai après la vidéo de FIFA, de GTA 4. Adil Rami. J'étais me chercher vers minuit un Big Mac. Dimitri, le tir. Non, sans problème pour le gardien. Non, bah, c'est des tirs de loin hein, pour essayer de gagner. Pour éviter une catastrophe comme la dernière vidéo sur FIFA. Pardon. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ouais, le ballon qui sort, c'est très bien défendu. Dimitri Payet. Raphaël Lucas Touzard. Dimitri Payet, arrête de faire n'importe comment. Hiroki Sakai. Il faut jouer sérieusement là. Allez, support jeu. L'occasion pour prendre les devants. Ah non, mauvais tir, hein. Ça passe très loin du but. Bah carrément. Dovin là. Dovin là, franchement, tu as encore vu un petit peu trop de pinard, hein, je pense. Intercepter cette passe. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Du tir avant. De paille. Voilà, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Position FIFA 20, j'enlève leur jeu. Non, je plaisante, ça serait de la triche. Oui, quand même. J'étais bien hors jeu quand même. Mais le ballon rendu carrément à l'adversaire. Mais non! Ferry. Nabil Fekir. Ouais, la frappe. Ouais, je pense qu'il l'a envoyé dedans. Et moi aussi, au début, j'ai cru. Ouais, bah, arrête. Allez, mec. Jérémy Morel. Nabil Fekir. Marcel. Ouais, bien joué l'OM qui a le ballon maintenant. Dimitri Payet. Lorient Thauvin. Ferry. C'est vrai qu'ils sont. Lucas Touzard. Ils sont vraiment très forts en. Raphaël. En défense. Hein. Les 30 derniers mètres. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Le centre, mais contré par le défenseur. Il prend sa chance. Putain, oh, c'est au-dessus, non, c'est même très au-dessus. Ils vont gagner. Lucas Touzard. Il est dépossédé du ballon. Putain. Avec un tir. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Tant mieux qu'il est sur ce ballon. J'arriverai pas à gagner. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Raphaël. Florian Thauvin. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il a le ballon, Payet. Dimitri Payet. Oh là 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 là, il pouvait ouvrir le score là-dessus. C'est pourtant une belle occasion. Peut-être trop belle même. Marcelo.
formation qui aborde ce match après un déplacement plutôt réussi, hein, elle avait ramené le nul. Oui, un nul à un, c'est frustrant et préparons-nous à un autre nul, Hervé. La gueule. Thorin. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. La frappe. Non, c'est très largement au-dessus. Hein. Le gardien qui accompagne ce ballon du regard, il faudrait presque des jumelles. Oh, abuse pas non plus, hein. Ah ouais, c'est pas. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Marcel. Personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Ouais, il y avait une faute, mais l'OM qui va de l'avant, il y a avantage. Mais non, putain, mais qu'est-ce alors, que ça, je c'est fous quoi, passe complètement. Pardon pour l'adversaire direct. Allez, dans le couloir. Lucas Touzard. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Fekir. Lorient Thauvin. Oh, c'est bien donné en profondeur. Allez, il peut y aller tout seul. Payet. Ouais, il repousse, ça joue. Il a préféré dégager ce ballon. L'équipe qui s'en sort bien avec cet arrêt, du coup, tout reste à faire. Nabil Fekir. Depay. Marsal. Ouais, c'est bien défendu. Et du coup, le ballon qui sort. Quel est Takar. Lorient Thauvin. Est-ce que vous avez un favori, Pierre, pour ce match? Non, Hervé, non. Franchement, non. Je m'attends à un match serré avec des joueurs lyonnais qui connaissent la qualité de leur adversaire. Oui, bah, c'est très serré. Florian Thauvin. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Samson. Florian Thauvin. Putain! C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Florian Thauvin. Samson. Ah, il est à l'interception. Ouais, l'action pouvait peut-être aller au bout, mais bonne interception. Luis Gustavo. Les Marseillais à l'attaque. Allez, un centre, un centre. Allez, on écarte loin devant. Choisit la frappe. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Putain, le poteau. Bon, sur le poteau. Ah, la bonne qualité de ses passes. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes Raphaël. De temps additionnel. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Samson. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Ouais, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Boum dans la caméra, et là tu n'as plus de caméra. C'est la mi-temps aussi donc. Pas de but marqué, 0-0. Eh ouais. Les visiteurs ont tenu bon en première période. À la pause, le score est nul et vierge. Pour le moment, la défense de cette équipe est fidèle à sa réputation. Rien ne passe. Ah, c'est vraiment une... Waouh. Une très bonne équipe contre qui je joue. Je me souviens, j'avais joué... Donné par l'OM. Mais non, mais... Nabil. On va attendre.
un petit peu. Laissez-moi boire de une petite goutte. J'avais perdu mon expression. Attendez. Les joueurs lyonnais qui viennent à l'instant de donner le coup d'envoi de cette seconde période. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Clinton G. Dimitri Payet. Tovin. Florian Tovin. Raphaël. Ferry. Lucas Touzard. C'est quoi, il arrive là. Un ballon qui sort en touche. Lucas Touzard. Jordan Ferry. Ils font tourner. Il n'y a pas de... La frappe. Pas de souci pour le gardien. Non, là, ça va, c'est... De paille. Jordan Ferry. Raphaël. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Et la faute signalée par l'arbitre, c'est un coup franc pour les Marseillais. Il ramène. Hiroki Sakai, Florian Thauvin, un duel pour la récupération du ballon. Je joue mal. Badar Germain, Clinton G, Florian Thauvin, ouais, il prend la frappe. Lucas Touzard. Florian Thauvin. Clinton G. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Payet. Ah, le bon décalage de Payet. Il prend sa chance. Ah non, pas de souci, hein, cette tête pour le gardien. Manque de conviction, peut-être. Je crois qu'il y a les Grecs aussi. Et donne-moi le ballon. Florian Thauvin. Clinton G. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Il manque ce match. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Là, je trouve de partout. Dimitri Payet. Il perd. Du but. Florian Thauvin. Oh, le ballon qui frappe la transversale. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Voilà, pas très bien exécuté cette volée. Ouais, il a mal jugé la trajectoire. Non, forcément, ça pouvait pas donner grand chose. On va assister à un remplacement côté lyonnais, Pierre. Exact, Hervé, c'est Fernando Marsal qui cède sa place à Ferland Mendy. Pression en défense, le joueur formé au PSG. Oh putain. Il a été formé au PSG. Mendy. Un petit peu pressé sur ce ballon. Elle touche, hein, le ballon a été dévié.
Bonne anticipation sur cette interception. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Nabil Fekir. Lucas Touzard. Raphaël. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le centre à destination de ses partenaires. Oh putain! Allez, c'est dégagé. Ce sera un corner à venir. L'action, une fois de plus, avec un gardien qui a bien failli s'incliner. Il s'en est fallu de peu. Le corner en direction du point de pénalty. Sans danger pour l'adversaire. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer. Oh, il est passé. Il va pouvoir marquer. Le gardien. Attention à la frappe. Oh, mais non. Allez, un corner pour virer en tête peut-être. Et le tireur qui a Clinton J. Putain, mais c'est un mur, le gardien. Dimitri Payet, Tovin. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Payet. Ce sera un 6 mètres. Ouais, quelle ambiance, quelle ambiance. Quand les supporters viennent ici, c'est vraiment pour encourager leur équipe. Ils aiment le foot et ça s'entend. Et nous, on aime le foot quand c'est comme ça. Bah oui. Et le public, il a l'air d'être très énervé par le comportement des visiteurs qui prennent tout leur temps, qui jouent la montre. Et pour l'instant, vu le résultat, bah, on comprend. Hein. Ouais, mais enfin, bon, de là, perdre 2 minutes pour un 6 mètres ou une touche, voilà. Bon. L'arbitre, il a qu'à sortir un jaune, hein. Ça calmera tout le monde. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Il cherche un coéquipier dans la surface. Le gardien qui dégage son camp des 2 points sur ce centre. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Lucas Touzard. Toujours 0-0 dans ce match qui touche bientôt à sa fin. C'est quoi la suite du programme, tiens, pour cette équipe? Oh, c'est bien donné en profondeur. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Allez, c'est peut-être le moment pour l'Olympique Lyonnais là de prendre l'avantage. Fekir. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Là, je ne parle plus jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis désolé, mais je suis en pleine concentration. Pour les dernières minutes, quoi. C'est un petit peu brouillon, mais il revient pour récupérer. Un petit match, ah, ouais. Un petit but. Quelle est tête. Jordan Ferry. Et finalement, il perd de ce ballon. Florian Thauvin. Clinton J. Florian Thauvin. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Oh, l'intervention magnifique du gardien qui évite sans doute la défaite à son équipe. Il est décisif. Ouais, si ça se termine sur un nul, ce sera en grande partie grâce à lui. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Petit aveu d'impuissance hein, quand même de cette frappe très lointaine. Sans aucun problème pour le gardien de but. Florian Thauvin, Maxime Lopez. Thauvin. Faites là. Avec un tir. Là, je pour la défense. Je fais n'importe quoi là. Je stresse, je vois le toit là. J'ai la pression. Hiroki Sakai. Florian Thauvin. La défense qui s'est bien. Florian Thauvin. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Et Marseille qui va aller mettre la pression dans la surface avec ce corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface.
Mais non, la Voilà, belle action. c'est terminé. Pas de vainqueur dans ce match. Qu'est-ce que Je vous avez n'ai pas pensé de ce perdu. Match, Pierre? Équilibré, hein. On a vu des belles choses, d'autres un peu moins bonnes. Mais... Allez, c'est un point de prix. Oh, bah merci en tout cas à ceux qui auront regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et je sais même plus ce que j'ai à dire. De toute façon, nous finirons pas premier. Hein, ça sera encore une fois cette année dans ce jeu. Le PSG qui finira premier. Donc l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. Le 25 septembre. Ou avant. Peut-être. Je pourrais vous faire le premier match de la saison 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain. L'autre jour, j'ai dit il en faut pour tout goût. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Comme vous pouvez voir à l'écran, le prochain match, ça sera Toulouse. Sur ce, moi, je vous dis. Bella ciao!